Je ne suis pas spécialiste de théologie, mais je n'ai pas compris que l'islam légitimait ou soutenait le recours à quelque violence que ce soit. Et donc, je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures. Et je défendrai toujours, dans mon pays, la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. Ça ne veut pas dire que je soutiens, à titre personnel, tout ce qu'on dit, pense, dessine. Mais ça veut dire que ces libertés, ces droits de l'homme qui ont été pensés, voulus, créés en France, je considère que c'est notre vocation de les protéger. Et de protéger aussi la souveraineté du peuple français. Are you sure about that? Alright, from Afghanistan, let's now shift our attention to what is happening in France, where the French president Emmanuel Macron, believe it or not, it's the president, who's now suing a billboard owner who depicted him as Adolf Hitler to protest against the restrictions imposed in France. Now, Michel Ange Flory, who owns nearly about 400 billboards in the Southern Department of Art, decided to use some of his billboards for what he described as an exercise in political satire. And he decided to use Emmanuel Macron's picture morphed as Adolf Hitler. Ça va, Manu? Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Et je défendrai toujours dans mon pays la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. Come here, let me slap you. Come here, let me slap you.